Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur V Rising. Toujours, on sera toujours avec Aminette von Dracul, car eh bien, c'est en train de se charger. Et on va pouvoir reprendre là où nous en étions restés lors du premier épisode. Oui, cliquez pour continuer, très bien. Hey Decker, tu me fais apparaître en plein soleil. Méchant jeu, va, méchant jeu. Alors, consomme des eaux pour générer une brume dense qui bloque les rayons du soleil. Mais oui, on peut faire ça. Bien, faisons ça. Allez. Appuie sur B. Si je fais ça. Vas-y, vas-y. Aïe. Je sais pas pourquoi ça s'est pas allumé. Voilà. J'ai cliqué pourtant. Appuyez sur X. Pour réapparaître, très bien. Temps de mort, mercredi 8 juin 15h32. C'est bien, ça vous donne pas du tout l'heure à laquelle j'enregistre. C'est très bien, hein, c'est pas du tout de la violation de vie privée. Ok, alors. Pourquoi ça s'est pas lancé, je ne sais pas. Alors. F. Tout ramasser. F. Est-ce qu'il faut cliquer là et les mettre là? Vite. Ah oui, ça marche vachement bien ton truc. Ok. Et ça consomme pendant combien de temps? J'ai du temps là? 52 secondes par os? D'accord. Ah oui, ça consomme des os quoi. Et ça va consommer tous mes os. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on devait faire? Oui. Établi simple. Oui. Alors, on devait faire ça. Ah bah, je peux les faire. Très bien. Et il me restera ça. 60 pots. Bah, pourquoi j'ai pu... Ah si, bah c'est bon alors. Attends. Tab. Bah, elle a pas mis les bottes? Non, elle les avait pas mises. Ok. 14 sur 15. Donc, qu'est-ce qu'il me faudrait? Un anneau en cuivre, peut-être? Certainement. Certainement qu'il nous faudrait ça, un anneau en cuivre. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour l'anneau en cuivre? Des fibres végétales et de la rose sanguine. Alors, de la rose sanguine. Où est-ce qu'on trouve ça? Alors, il va nous falloir des os. Donc, il va falloir qu'on aille tabasser des mobs. Pour récupérer des os. Alors ce serait bien qu'on ait des... Alors après peut-être qu'avec nos serviteurs on pourra... eh bien avoir des os entre guillemets gratuitement. Ok. Alors, je m'entends quand je dis gratuit ce sera pas gratuit mais... sans qu'on ait besoin d'aller les farmer quoi. Ce serait pas mal. Allez. Alors là, comme ça va être la nuit, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là, hop, et inactif. Voilà. Parce que c'est la Moon Rising, donc ça sert à rien que je fasse, eh bien, fonctionner mon truc qui me consomme de la... des ressources. Ah ! Pas lui. Et non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Ok. Quoi? Que fais-tu là, bête immonde? Où lui? Ok. On avait dit l'anneau en cuivre. Et donc là, on sera niveau 15, c'est ça? D'équipement. Très bien. Débloque l'hôtel de sang. Très bien. Alors, construisez et interagissez avec un hôtel de sang. C'est que... obtenez un pouvoir de nouveau pouvoir en buvant des sangs... Porteur de sang V. Ok. Si tu veux. Alors, mais moi je cherche des os. Niveau trop bas, bah oui. Bah écoute, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est quoi ça? Des arbalétriers et squelettes. Ils sont nombreux. Oh là là. Oh là 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 là. Ils sont nombreux. C'est pas grave. Moi j'ai besoin d'os, donc ça me va très bien de vous tabasser. Bien. Voilà, un petit peu d'os.
petit peu d'ossements. Encore des os, très bien. Ok. C'est quoi cette chose? Un loup. Eh oui, mon petit gars. Je t'ai touché. La peau... Ah, ça donne des os aussi, très bien. Alors, nous disions donc de construire un autel de sang. Un cœur souillé. Ça sert à quoi? Peut-être consommer pour gagner une petite portion de santé. Et rend votre groupe sanguin indéfini. D'accord. Mon château est là. Ok, alors. On a dit, construction, un hôtel de sang. Hôtel de sang, chasser des puissants porteurs de sang et buvez leur sang. Très bien, ça paraît bien. Alors, pour faire tourner. Alors par contre c'est vers où? Ah d'accord, ça doit être comme ça. Ok. Alors, interagissez avec ça. F, hôtel du sang. Loup alpha. Forme de loup. Ah, pour se transformer en loup. Ah oui, d'accord. Ah, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'ennemis. D'accord. Eh bien, traquer le sang. D'accord. Donc c'est ça les boss, c'est ça. Alors, où est-ce qu'il est? On nous dit qu'il serait par ici. Ok. Allez. Où es-tu? Créature du mal. Il devrait être par ici. C'est ça? Non, ça c'est un ours. Mais on peut lui défoncer l'anus aussi, l'ours, non? Ah, loupé. J'ai tiré trop loin. C'est pas grave. Très bien. Alors, à la recherche du loup alpha. Ah, bon, j'y vais, moi. Pas peur, moi. Peut-être pas ici. Un chevreuil. Non, ce n'est pas ça. Il est par ici. Il est où? Viens te battre, créature du mal. Il serait par là. Cimetière profané. Très bien. Alors. Nous indiquons qu'il serait vraiment pas loin. Ah oui, mais je peux pas descendre là, moi. Je vais mourir. Ah, il viendrait de par là, hein. Est-ce qu'on a la map? Ah, mais on nous le dit pas. Ah, il est peut-être là. Tanière des loups. Ah bah, il est là. Ouais, ça fait loin quand même, hein. Ah, mais on peut aller chercher du papier. Allons chercher du papier. Alors, on nous dit que dans le cimetière, il y aurait des trucs à récupérer aussi, hein. Non, mais il est trop loin, le loup. On peut pas y aller tout de suite. Il faut retrouver le chemin. Bah en fait, en passant par la route, quoi. Plutôt que de couper comme un imbécile. Hein? Mais moi, j'ai suivi le sang, hein. Moi, vous savez, GPS, il dit d'aller à droite, je vais à droite. Hein. Faites demi-tour sur l'autoroute. D'accord. Ne faites pas ça. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Allez. C'est quoi ça? Violette en armure! Ils ont l'air forts. Je vais tous les tuer. C'est quoi ces machins? Des humains! Des humains également! Aïe! Mais c'est pas grave, je vais tuer tout le monde en même temps. Ah! Un magicien! Un magicien! Salaud! Mince, j'ai loupé. Attention, attention, attention. On peut se nourrir des humains. Est-ce que ça nous intéresse? Non. Cœur souillé. Ok. Wow! D'accord. C'est le monsieur très fort. Lydia, l'archère du chaos. D'accord. Bon, on va se barrer, je pense. Hein. Je pense qu'elle est trop forte pour nous. Jacquelinette.
Des fois, il faut savoir s'avouer vaincu. Alors, pourquoi elle mange pas le cœur? Est-ce qu'il faut s'arrêter? D'accord. Ah oui, c'est vraiment une petite portion de santé. C'est là la tanière des loups. Ça a l'air d'être par là. En tout cas, on s'est fait déboîter par cette archère. Loup. Très bien. Viens là, loup. Aïe. Voilà. Allez. Hop là. Donne-moi ton sang. Voilà. Mais il vient d'où ce loup alors? Il est où ce loup alpha? Donc il était pas dans la tanière des loups. Alors, il y avait quoi à trouver dans cette tanière des loups? De la peau animale. Oui, mais c'est parce que en tuant les loups. D'accord. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Des pommes de pin. On peut faire des explosifs avec ça, vous savez. Est-ce que vous le saviez? Bonne petite grenade avec des pommes de pin. La régène est très très lente par contre. La régène de santé de notre personnage. Et d'où il vient ce sang? Eh, on te dit vraiment pas où c'est, hein. Montagne sacrée, terre agricole, colline de forêt maudite. Ah oui, c'est grand. D'accord, le monde est grand. En tout cas, il a l'air grand. On rappelle hein, que c'est encore une early en 0.5. Ça vient de passer aujourd'hui, hier ou aujourd'hui. J'ai vu la notification sur Steam. Donc, bien, ils travaillent toujours sur le jeu, ce qui est très bien. Un braconnier. Ah oui, d'accord. Encore un autre gros mob. Épée bouclier. Aïe. Voilà. Moi j'ai pas peur moi. Je suis les loups. Ok. C'est quoi ça? C'est quoi? Un ours. Tabassons-le. Vas-y viens. Je crois que tu me fais peur. Attends, on peut... Donne-moi ton sang, créature. Voilà. Bon, l'ours est pas dur à tuer. Un autre ours. Très bien. On va dormir, ours de merde. Vas-y. Fais le gros. Aïe, ça fait mal. Voilà. La maison. Où est la maison? La maison. La maison est loin. Et ça doit être par là. Allez. Du papier. Des os et du bois. Bien. Ouais, la maison est par là. C'est bien ça. Alors, je vais peut-être regarder s'il n'y en a pas un plus près que le loup. Le loup a l'air loin et chiant à atteindre.
Et le truc, c'est quand même pas de partir pendant 15 heures. En tout cas, pas tout de suite. On n'a pas le level, je crois, pour aller se balader aussi loin. Hello. C'est quoi ça déjà? Rite hématique. Ouais. Bloque les attaques au corps à corps, ce projectile. Oh, attention! Le soleil. Le soleil. On n'aime pas le soleil. Le soleil, c'est caca. En plus, on est assez loin de la maison encore. L'ombre est mon seul refuge. C'est bon. On est à la maison. Actif. Et voilà. Merci, mon ami. On a un petit peu d'os, oui. On a des pots, oui. On a des pommes de pin, oui. Se plante dans votre territoire pour faire des arbres. Très bien. Alors, je pourrais faire une épée de cuivre. Mais non, je n'ai pas ce qu'il faut. Ah, mais j'ai des planches. Ça, j'en ai. Si, j'ai des planches. J'en avais faites. Ici. Normalement. Oui, j'ai 6 planches. C'est ça, oui, j'ai 6 planches. Qu'est-ce qu'on pourrait construire? Ça, on a déjà... Bon, ça, des palissades. Ah oui, d'accord. Ah, mais on peut faire des petites portes et tout. Oh. Oh, d'accord. Des escaliers. Ça m'intéresse que moyennement. En vrai, voilà. Fondation. Alors, production. Raffinage. Ça, j'ai déjà... Ah, je pourrais faire un pressoir de sang. Utilise pour extraire l'essence sanguine à partir de matériaux biologiques. Ah. Des nids à vermine, si j'ai un peu plus de pierre. Très bien. La domination. Dans les réserves, ok. Alors, moi je sens qu'on va partir sur un petit pressoir à 100. Donc il me faudrait encore plus de... Vas-y, hop. Hop là. Voilà, fait des planches. Alors on avait vu hein, que bon il fallait masse. Et on avait dit pour le pressoir à sang, c'était quoi? De la pierre. Eh ben, il me manque 6 pierres. Très bien. Un petit peu de pierre, s'il vous plaît. Merci. Allez Aminette, on me fait ce petit ménage, s'il te plaît. C'est bien Aminette. Allez, Minette von Dracul, on rappelle, hein. C'est une vampire, donc forcément c'est von Dracul. Comme tout vampire qui se respecte, hein, j'ai envie de dire. Allez, un petit peu de bois, parce que le bois on l'utilise pour faire des planches, donc il nous faut plus de bois. Moi j'aime bien si elle se bat à deux haches pour... Pour couper les arbres, je trouve ça génial. C'est évidemment comme ça que tous les bûcherons font, hein, pour couper du bois. Vous le savez. En tout cas, c'est moi ou la nuit est très très longue dans le jeu. Après, vous allez me dire, c'est vaut mieux, quoi. Vu que le but, c'est de se balader la nuit. Plus trop loin de mon truc d'ombre. Ok, donc on avait dit ici un petit nid à vermine. Un petit. Voilà, petit quoi. 23. Ah mais ça coûte de la pierre de faire ça. D'accord. Ok. B on avait dit petit nid à vermine. Ah bah oui, bah j'ai plus de pierre maintenant. Ah oh là là là. J'aurais peut-être remettre un bras zéro là.
24 minutes, attention. Alors, Kelly, l'archère du givre. Pourquoi pas? Ah d'accord, la tuée me donnera un pouvoir du loup. Elle, la tuée me donnera un pouvoir des recettes. D'accord. Oh. Oh. Et lui, si je fais traquer le sang. Ouais, mais on sait pas du tout à chaque fois d'où ça vient. On est d'accord. Mine de cuivre des bandits. Territoire des ours. Camp de bandits. Alors là, là je cherche qui? Rufus le contremaître. Chargé de superviser le camp de forestiers. C'est un forestier. Donc, camp de bandits peut-être. Alors, est-ce qu'on peut ajouter des... Non. Ah si, bah si, on peut ajouter des petits points de passage. C'est quoi ça, ce petit... Oui, c'est moi qui l'ai ajouté, voilà. Et donc, je le vois sur la map. Oui, voilà, on le voit là. Très bien. Ok. Hop, on va éteindre ça. Voilà, et on va aller directement vers ce camp de bandits. Est-ce que c'est par là ou pas? Est-ce que ça a l'air de m'indiquer que c'est par là? Ça a à peu près l'air de m'indiquer que c'est par là. Alors. En fait, non, pas du tout. Ah, quoique, peut-être, je ne sais pas. On peut casser ça? Non. On va casser leur petite torche. Alors. Coucou. Alors. Voleur. Braconnier. Boum. Oh là. Ah. Neutralisé. Salaud. Tu es si fort que ça. Je ne te croyais pas. Attention. Oh oui. On peut le manger. Mangeons cet humain. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Vous pouvez tirer sur moi. Vas-y, Aminette. Tu c'est lâche, ces pauvres humains. Ce ne sont que des humains après tout. Bien. Quel talent. Alors, est-ce que tu peux casser ça? Oui. Alors, est-ce que ça donne de la bouffe? Non. En tout cas, là, il y a des coffres. Et les coffres, c'est cool. C'est toujours bien, les coffres. Oui, prends tout. Oui, prends tout. Transport de l'argent. Ah, ça me brûle, c'est ça? Ça m'enlève des pay-veil? Ok, ouais, ça m'empêche ma régène, en fait. D'accord. Mais ça va être bien, l'argent, non? Ça va nous servir. À un moment. Non, peut-être, je ne sais pas. Mettons cet argent dégueulasse dans notre coffre. Heureusement que j'ai construit un coffre. Ok. F. L'argent, c'est où? C'est ça? Oui, des pièces d'argent. Ah oui, mais on peut dormir le jour. Ah, oui. Ce serait peut-être pas bête de faire ça aussi. Ok, F. Mince, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Est-ce que je peux splitter? Non. Est-ce que je peux splitter? Non. Contrôle mage. Il est noté, divisé. Il était noté, hein. C'est juste lui qui ne lit pas. 7h04. C'est ok tiers, mon ami. Alors, je vais essayer de suivre le sang. C'est par là. Essayons de trouver au moins un boss, quoi. Pétale de feu. Rose sanguine. Un camp de bûcheron, on nous a dit. Ok, on va attendre. Nouvel éclat de sang. Par là. Venir des loups.
Mine de cuivre. Mais il sera pas la mine de cuivre, ça c'est sûr. Hein. Quoi qu'à la mine de cuivre, on pourrait trouver du cuivre et on aurait besoin de cuivre pour améliorer encore notre équipement. Bonjour. On avait vu qu'on pouvait faire du cuivre. On a les plans pour les armes en cuivre. Mais les vampires, normalement, ils peuvent porter de l'argent. C'est les loups-garous qui peuvent pas porter de l'argent, non? Et quand il est invincible. Passons à côté de ces squelettes. Qui n'ont rien vu, hein, évidemment, ils sont complètement miro. Alors, on nous indique que c'est par là. Tout va bien. Est-ce que c'est par là? Oui. Ça a l'air en tout cas. Pour le moment, on a l'air d'être sur le bon chemin. Ouais, peut-être là le camp de bandits. Le campement des bandits, ouais. On ne dit pas que c'est un camp de forestiers. Alors. On va faire tout le tour. C'est juste devant le camp des bandits. Un détrousseur et un voleur. Ouais. Ah, d'accord, on peut subir les deux. Et là c'est le mal, d'accord. Ok. Il est fort le voleur. Juste le fait qu'il puisse être invisible. Ah, étourdi. D'accord, c'est quand il fait de la lumière, je peux pas le taper, d'accord. Dégage. D'accord, donc quand le guerrier fait de la lumière, on ne peut plus le taper. Hein. Le mec à bouclier là. Le détrousseur, je crois qu'il s'appelait. Un bandit. Tellement grand. Je suis tellement en train de m'éloigner de ma maison. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est quoi ça? Un loup. Normal. Très bien. Un loup. Ils sont plusieurs. Ok. Alors, le mec il a l'air d'être par là apparemment. Et à droite maintenant? Passage de caveau. Il y aurait certainement des téléporteurs aussi. Il faudrait peut-être chercher les téléporteurs. Ah, nous avons le comte bûcheron. Ok. Et on a le mec. Est-ce que je peux le taper ? Non. D'accord. Alors. Par contre, ce que je veux voir, moi... Est-ce qu'il n'y a pas un téléporteur près de ce camp de bandits? Alors... Ah bah il est là le caveau, non? Il n'y a pas l'air d'avoir forcément de téléporteur à côté, hein. Et ça, on peut pas les monter, hein. Les montagnes, c'est mort. Hein. Enfin, pas pour le moment, en tout cas. Ok.
Il faudrait que je puisse descendre dans le camp. Autrement qu'en fonçant comme un barbare. Un petit peu de subtilité. Ce qu'on me dit, hein, shift, sauter. Je pourrais sauter là au milieu de la mêlée, mais je sens que ça va mal se passer. Hein. En plus, on n'est pas full life. Attention quand même à ce qu'on fait comme connerie. C'est quoi? Des malfrats? C'est pas moi! Si, c'est, en fait, c'est, si, si, c'est moi, mais venez pas tous! Pas obligé de tous venir, vous savez. T'étais pas obligé de bouffer son sang comme ça, mais. Non! Hop! Merci. Allez! 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 Shoté, d'accord. Mais après on peut plus nourrir pendant un certain temps. Oh le loup alpha. Oh le loup alpha. Ça va pas le faire ça. Alors le mec je l'ai cherché et quand c'est quand je le cherche pas qu'il se pointe. Aïe. C'est la mort. Vous le sentez venir la mort? Il est où? En plus ça il va se lever, super. J'avais dit hein. Mais non, mais il se pointe, j'ai 12 mecs contre moi, c'est pas normal, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Alors, vous avez lâché votre butin. Point d'accès. Bah au cercueil, hein. Ah mais là je vais devoir attendre la nuit et tout. Oh là là là. Alors. Par contre, question. Là, donc là je me réveille. Et je fais. Dormir. Ça me fait dormir jusqu'à quelle heure? Appuyez sur espace pour vous réveiller. Ah mais ça me dit pas quelle heure il est. Où est-ce que je vois l'heure? Voilà, là il est 10h. Si je maintiens F. Ça me dit pas quelle heure il est. D'accord. Ça fait passer un peu de temps ou pas? Ouais, vite fait, hein. Je suis pas forcément convaincu là pour le coup. Pas forcément convaincu parce que par ça. Bon. Par le fait de dormir. Très bien. Bon, on s'est fait laver. Ah mais j'ai une hache en os renforcée. Bien. 6,8 de puissance physique. Ok. Ça
se calmer, Jackie, là. Non, mais où? Alors, tab. Donc ça, je peux la casser maintenant. Attends. F, le loup alpha. Il est seul, jamais seul. Il était par là, de toute façon. Comme ça, on peut le retirer. Ça, c'est quoi? Un portail d'accès vampirique. Ah, là, il y a un autre téléporteur, d'accord. Ah, mais on les voit sur la map, en fait. D'accord. Donc, il était par ici, hein, le loup alpha. Et c'est un peu dommage cette histoire de dormir en fait. Ce serait bien que ça fasse passer le temps qu'on ait un chrono. Ou alors dormir jusqu'à quelle heure hein. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça moi que j'ai. D'accord. Des planches et de la pierre. Ah, mais il faut juste ça. Ah, il fallait le dire tout de suite. Et des planches, j'en ai. Hein, et de la pierre, je peux en avoir. Assez facilement. Alors. Assez facilement là tout de suite pas trop mais oui d'accord bah si c'est juste ça il fallait le dire à ce moment là je vais faire l'épée en os améliorée alors 120 pierres ah ouais. D'accord, on en est à 120 pierres pour une épée, quoi. Allez. Là, c'est bon? Ou pas? Oui! Allez, fais-moi l'épée en os améliorée, s'il te plaît. Voilà, au moins j'aurai ça. La lance en os, tiens. Je peux faire une lance. On me l'a pas montré. Artisanat. Ah si, je pouvais faire une lance pour 30 os. Alors, elle fait quoi la lance par rapport à l'épée? Une lance grande portée d'attaque qui inflige des dégâts perforants, encore plus efficace sur les créatures. Ah oui, mais c'est fait pour... d'accord. C'est fait pour tuer justement les loups. D'accord. Alors, lui, on va pas aller l'embêter. Hein. Gros problème, c'est que bah, tout est dans mon loot. Moins que ça. Voilà. Hop, artisanat. Je vais faire la lance. Ça, on va le remettre dans le bras zéro. Voilà. Voilà. Hop, ça vient là. Ça vient là. Ok. Et donc, maintenant, je peux l'améliorer, ma lance. On est d'accord. Non. Mais non, parce qu'en fait, il faut ça. Donc, il me faudrait de la pierre. Bien. Allons chercher de la pierre. Vous allez voir, on va se venger. On va se venger, on va se venger. On va préparer notre vengeance et on se vengera dans le prochain épisode. Car Aminette ne se laissera pas abattre par un simple le. Non. Voilà. Ah. Et c'est la nuit. Et c'est la nuit et c'est là-dessus qu'on va eh bien, se quitter. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.